Bonjour, retrouvez dans cette vidéo les conseils de jeu et analyses de nos chevaux sélectionnés. L'hippodrome des Princes de Condé à Chantilly accueille le Quintet Plus ce lundi avec le prix de la chambre de Monsieur le Prince, un gros handicap réservé aux 3 ans sur les 1400 mètres de la piste en sable fibré. Pour les joueurs de couplet gagnants placés, le 7, le 4 et le 3. Pour les joueurs de multi, le 7, le 4, le 3, le 11, le 16 et le 8. Lancelot Gold, le numéro 7, a repris de la fraîcheur après un bel été, qu'il a vu briller dans les gros handicaps. Compétitif à ce poids, il s'est classé 3e pour ses deux premières apparitions au niveau Quintet Plus, la première sur le sable, et a enregistré son premier échec dernièrement à Compiègne. Son mentor lui a laissé le temps de reprendre de la fraîcheur et Christophe Soumillon lui reste associé. À reprendre, il retrouve le sable, où il a déjà bien fait et devrait redorer son blason. Il s'élance avec la confiance de son metteur au point Jean-Pierre Carvalho. Plaisant pour sa première tentative à ce niveau, Dark Money, le numéro 4, peut cette fois lutter pour la victoire. Auteur d'un bon effort final le 17 septembre sur l'hippodrome de Compiègne pour s'emparer de la 6e place, Dark Money a livré une bonne prestation pour sa première tentative dans les gros handicaps, pris en valeur 40. Présenté par André Fabre et monté par Maxime Guyon, à la lutte pour la cravache d'or, ce représentant des frères Wertheimer a déjà bien fait sur les 1400 mètres de la piste en sable fibré et semble cette fois capable de l'emporter. Il a notre préférence sur Wapi, le numéro 3. Irréprochable, ce cheval mis au point par Carlos et Yann Lerner a pris une excellente 3e place pour sa première tentative dans les handicaps, il a démontré toute sa compétitivité en valeur 40. Expérimenté sur le sable, il devrait une nouvelle fois répondre présent et ne devrait pas être loin de la vérité. Souvenir des Cajoles, le numéro 11, ce sujet entraîné en Espagne va se produire pour la première fois sur le sable. Son mentor estime qu'il devrait s'adapter. Notons qu'il a donné la réplique à MOONFIRE à Tarbes, qu'il retrouve avec un avantage pondéral. Son partenaire devra composer avec le 12 à la corde. Pourquoi pas, Times Warrior, le numéro 16, qui n'a pas démérité dernièrement et qui représente un joli coup de poker dans le bas du tableau. Calypso King, le numéro 8, il n'a que 4 courses au compteur et va se produire pour la première fois sur le sable. Pour sa rentrée, qui coïncidait avec son premier Quintet Plus, il a conclu dans l'anonymat. Pour corser encore un peu le tout, il a tiré le 15 dans les stalles de départ. Moonfire, le numéro 5, a montré des moyens en Angleterre l'année dernière et elle reste sur 2 succès. Elle peut monter de catégorie avec bonheur. Olympe Mancini, le numéro 14. Elle a de l'expérience sur le sable, surface sur laquelle elle s'était imposée à 2 ans, à Lyon-la-Soie. Son mentor conseille d'oublier son échec estival à ce niveau, la pouliche couvait quelque chose. Maintenant, elle effectue une rentrée et est mal placée dans les stalles de départ. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre propre pronostic, et à liker si vous avez aimé. Voici notre pronostic. Bon jeu à tous.